sais, madame, là, ça va pas pantoute, notre affaire. Ça va bien mal. Ça va très mal, qu'elle me dit, là. Écoutez, je suis une espèce rendue menacée au Canada. Menacée. Puis vulnérable au Québec. Espèce vulnérable, c'est pas drôle, là. Savez-vous qu'on a besoin des massifs de forêt boréale intacts? Puis, excuse-moi, là, mais des massifs intacts de forêt boréale, je sais pas si vous avez vu, mais il en reste plus trop, hein. Autrefois, moi et mes amis, on a vécu jusque dans le sud du Québec, même jusqu'aux États-Unis. Quand je suis pris dans des petits îlots, à l'extérieur de ça, il y a des coupes forestières partout. Ça prendrait un plan de rétablissement. Puis le pire, là, c'est que ce plan de rétablissement-là, il existe. Même qu'il existe, puis il est censé d'être 2005 à 2012. Savez-vous, c'est quelle année cette année? 2009. 2009, il n'est pas sorti encore le plan. Qu'est-ce qu'il attend? Hein? Écoute, ce que ça me prendrait, là, ce que ça me prendrait vraiment pour être heureux, là, ça me prendrait une grosse ceinture. Une ceinture, on appellera ça la ceinture du caribou. Est-ce qu'on met là-dedans, cette ceinture-là? Des gros arbres protégés. Là, je parle pas des petits îlots, là. Je parle 5000 km². C'est ça que ça me prend, 5000 km². Ça prend la protection, puis mettons-en des gros arbres protégés. 5000 km², c'est ça que ça me prend.